Paul McCartney, le leader charismatique des Beatles, le groupe de rock britannique de légende, s'est fait une belle frayeur en voulant recréer la pochette emblématique d'Abbey Road, le dernier album enregistré par les Fab Four. Après McCartney 3,2,1, puis The Beatles, Get Back, un nouveau documentaire autour de l'histoire des Beatles est désormais disponible sur Disney+. Baptisé If This Was a Could Sing en anglais derrière les murs des studios Abbey Road en français, ce dernier ouvre aux spectateurs les portes de ces mythiques studios, célèbres pour avoir été le lieu d'enregistrement de la majorité des chansons des Beatles. Réalisé Mary McCartney, le premier enfant biologique du couple de musiciens formé par Linda Eastman et Paul McCartney, ce documentaire inédit promet de donner un accès exclusif aux plus célèbres et aux plus vieux studios du monde encore en activité. Plus qu'un studio, celui-ci se révèle aussi être un lieu de pèlerinage pour les fans du monde entier, tous voulant recréer la célèbre pochette de l'album Abbey Road sorti en 1969, où les quatre membres de Beatles marchent l'un derrière l'autre sur un passage piéton. 54 ans plus tard, Paul McCartney s'est amusé à recréer cette scène mythique, à ses risques et périls. Mary McCartney était nerveuse de faire découvrir le documentaire à son père, Paul McCartney, lorsque sa fille lui a demandé d'apparaître dans son documentaire. Paul McCartney a immédiatement accepté, allant même jusqu'à recréer la marche la plus célèbre de l'histoire du rock. Un bond dans le temps qui a bien failli se terminer par un désastre. Le moment où la voiture a failli l'écraser sur le passage clouté, c'était tellement drôle, a déclaré Mary McCartney, 53 ans, au Daily Mirror. Alors que nous quittions le studio, j'ai dit, je vais te filmer, sur le passage piéton, il y est allé et cette voiture ne s'est absolument pas arrêtée pour lui. Dans cette même interview, la photographe, cinéaste et auteure de livres de cuisine a par ailleurs déclaré qu'elle s'est sentie vraiment nerveuse d'amener son père, 80 ans, au cinéma pour découvrir le documentaire. Derrière les murs des studios Abbey Road, les témoignages d'Elton John, Ringo Starr, Noel Gallagher. Ce dernier contient de nombreux témoignages inédits de stars. Quand tu entres dans un endroit avec autant d'histoires autour, c'est un peu sacré d'une façon, affirme Elton John dans la bande-annonce à découvrir ci-dessous. Les gens veulent venir ici. Ils veulent le son d'Abbey Road. Dans ce petit bijou qui saura à coup sûr ravir les fans et nostalgiques du groupe mythique, Mary McCartney oriente le public à travers 9 décennies pour raconter les histoires de quelques-uns des enregistrements les plus iconiques et les gens qui les ont rendus possibles. Les mélomanes auront également le plaisir de découvrir des interviews inédites de McCartney, d'Elton John, Ringo Starr, le batteur des Beatles de 1962 jusqu'à leur séparation en 1970, Noel Gallagher, Oasis, Roger Waters, Pink Floyd, et plus encore. À lire aussi, Paul McCartney évoque sa rivalité avec John Lennon, ces choses étaient blessantes, découvrez Disney+, inscrivez-vous maintenant. Article écrit en collaboration avec Cimedia.